Allez, les conférences chez Volt. Seconde. Et le départ vient d'être validé pour notre Grand Prix d'Inavena. Maïssa Grégurand supporte des paris à la carte. On est parti pour les 2950 mètres dans cette épreuve avec le 8, Cléder de Leroux, qui a pris le meilleur des départs. En deuxième position s'installe Arkang. À l'extérieur va venir le numéro 2, Acid Ali d'Arche, pour rejoindre les animateurs. Nous avons également Cayenne de Well avec Kevin Leblanc qui sont bien partis. Et fort Damien Josselin, le numéro 4 qui se rapproche. Le 3, Agathe de Fémisson, a pris un excellent départ à l'arrière du peloton, Vinito et Togel. Vinito qui a pratiquement perdu toute chance. Et à l'arrière, Baud Morgan également, le numéro 10, qui est pour l'instant assez loin. Quant à la favorite, eh bien écoutez, elle attend, elle est assez loin, la casaque rouge, portée par Christophe Martens, qui est pratiquement à l'arrière du peloton. Et pendant ce temps-là, Mio Josselin, le numéro 4, va venir s'installer au commandement, relayant le numéro 2, Acid Ali d'Arche. Un peloton qui tendance à s'étirer. Cléder de Leroux vient pour l'instant troisième avec Cleverlim qui ramène le wagon de la deuxième épaisseur. Et voilà l'effort de Cayenne de Well, maintenant le numéro 7, rapproché par Kevin Leblanc. Passage à Bagatelle avant d'aborder le bout des lignes droites et le tournant de la route de Saint-Simon, où nous avons Agnew Josselin qui est en tête. Cléder de Leroux qui va venir en deuxième position. Acid Ali d'Arche est là. La quatrième place en dedans pour Arkang, alors que le numéro 3, Agathe de Fémisson, vient d'être disqualifié. Nous sommes dans le virage. La favorite, Diadora BR, est encore à l'arrière du peloton. Ouais, Christophe Martens qui attend. La route est encore longue. Hein. Il reste un petit peu plus d'un tour de piste à parcourir. Effectivement, on a perdu le numéro 3, Agathe de Fémisson, dans la ligne d'en face. Pour se présenter devant les tribunes, le numéro 4, Amio Josselin, qui a toujours l'avantage. Cléder de Leroux est en deuxième position et occupe une bonne place depuis le départ à l'extérieur, tentant de se rapprocher. Cayenne de Well, le numéro 7, qui fait un effort à cet instant. Relayant ainsi Cleverlim, le numéro 9, les chevaux des 25 mètres patientes, notamment la favorite qui reste derrière Bingo d'Attaque, le numéro 11, la casaque blanc et noir, et également à l'arrière-garde le numéro 10, Baud Morgan. Laurent Vermat au sulky, Damien Josselin a toujours l'avantage, ils viennent de passer devant le poteau et vont maintenant aborder l'avant-dernier tournant de l'épreuve. En deuxième position, Cayenne de Well se rapproche, toujours accompagné par le numéro 8, Cléder de Leroux. À la quatrième place, nous avons Arkang, la casaque verte de Bernard Desmontils. Cleverlim, toujours bien placé en épaisseur, tente de venir maintenant le numéro 12, Victoria du Viaduc. Le numéro 2, Acid Ali d'Arche, a été disqualifié. Où se trouve la favorite, le 14, Diadora BR, est encore au milieu du peloton. Ouais, bout de la ligne d'en face, Cayenne de Well, le numéro 7, qui attaque Mio Josselin à cet instant. Ça y est, la course qui est lancée. Cleverlim a eu un parcours de choix. Attention à Victoria du Viaduc, hein, qui est dans le wagon de l'extérieur. La favorite n'est toujours pas lancée maintenant, même si Christophe Martens commence à la solliciter pour essayer de revenir, mais il va falloir contourner des adversaires. Baud Morgan vient pour l'instant un petit peu plus loin, alors que côté corde, on va essayer de se dégager de la corde avec Cléder de Leroux, numéro 8, qui est pour l'instant un petit peu en difficulté. Cayenne de Well qui est passé en tête devant le poteau des 500 derniers mètres, mais dans son dos, Cleverlim se fait de plus en plus menaçant. Et nous avons à la troisième place Victoria du Viaduc, alors va tenter de revenir de l'arrière. Le numéro 11, Bingo d'Attaque, avec le 14, Diadora BR, la favorite qui sprint maintenant. Cayenne de Well, Cleverlim qui va venir l'attaquer en troisième position. Bingo d'Attaque qui termine à toute allure avec Diadora BR qui semble battu pour les premières places. Cayenne de Well à mi-ligne droite et Kevin Leblanc, alors que Bingo d'Attaque termine bien. Nous avons un bon effort à l'extérieur de tout le time aux abords du poteau. Cayenne de Well qui va s'imposer. Le 11 sera deuxième devant le 9. Le numéro 1 et le 13 seront à la photo pour la 5e place.